6h30, nous sommes samedi et on va se préparer à partir en vue de grenier. Donc voilà, récupérer la casquette indispensable pour tout départ en vue de grenier. Et écoutez, ma trouvaille de l'année était trouvée l'année dernière. Je le rappelle, le jeu de Jumanji. Voilà, ça va être que du bonus qu'on va trouver à partir de maintenant. À toutes les amies! Retour du premier vide-grenier. Bon, on a trouvé quelques DVD sympathiques. Voilà, il y en a notamment un que je cherchais depuis longtemps. Et quelques petites trouvailles. On va pas dépenser beaucoup, 4-5 euros, je crois. Première fois que j'arrivais, qu'il y avait aussi peu de personnes de déballer, mais il y avait quand même bien plus que la moitié. Voilà, j'ai pas trouvé nécessaire de refaire le tour une fois. Je vais sur le deuxième vide-grenier qui est juste à côté de chez moi. Voilà, on va voir ce qu'on va trouver. À toutes les amies. Celui-ci, j'ai l'habitude de le faire. Si j'allais à pied de chez moi, c'est à un petit 10 minutes. Donc c'est vraiment, vraiment un que j'ai l'habitude de faire. Comme d'habitude, j'espère trouver quelques bons titres en DVD encore une fois. Et puis on verra. De toute façon, ça passe le temps. On se retrouve hein, pour ce compte rendu vide grenier et la vidéo commence avec une petite dédicace à mon ami Chris Areus. Voilà, j'ai écouté du Coldplay, je me suis dit t'adores Coldplay, t'adores les singes, donc forcément ce clip est de rigueur, et c'est parce que le premier film que je vais vous présenter a un rapport indirect avec ce clip, mais direct avec les singes hein. Bien évidemment, tu dois deviner de quel film je parle. Alors je parle bien évidemment pour commencer hein, de La planète des singes, qui est ton film préféré, mais pas n'importe lequel. Donc le premier volet de la nouvelle trilogie avec Andy Serkis pour faire les mouvements avec des capteurs de César. Donc c'est La planète des singes, les origines. Voilà, trouvé aujourd'hui pour 50 centimes. Je l'avais pas encore, donc ça fait bien plaisir. Voilà, il faudra que je prenne, je crois c'est l'affrontement, le 2. Ensuite, tout de suite, voilà, pour ma copine, j'ai trouvé un petit goodies sympa, clochette. Voilà, c'est une espèce de petite boîte, je sais pas trop quoi. Finition vachement bien. Voilà. Et le petit CD de We Love Disney 1, toujours avec clochette. Et le CD. Voilà, plutôt cool. On n'en avait aucun. Ensuite, 9 sous blister, j'ai trouvé un film français. Que je voulais depuis un moment. C'était avec Thierry Frémont, Elise Moon, Martin Lamotte, Patrick Bouchité, José Garcia, j'en passe. C'est Les Démons de Jésus, comédie vachement barrée sur les gitans. Donc vraiment, vraiment cool. Vraiment très décalé, très décalé. Ouais. Donc voilà, Les Démons de Jésus. Las Démones de Jesús. Par contre, peut-être comme ça, ce sera mieux. Ensuite, petit film d'horreur. Hier soir, je me suis regardé la vidéo première partie de présentation de l'ami Thomas Punier, Tom Cinébédé, et il m'a reparlé d'un film que j'avais vu plus jeune, trilogie, et que j'avais complètement oublié. Donc c'est les Ginger Snaps, et lui n'a que le 1 et cherche le 2, le 3, ben voilà, ce matin je me suis trouvé le 2. Bon, ça ne fait pas faire le focus aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très très grave. Donc Ginger Snaps 2, on verra ce que ça vaut de les revoir. Ensuite, un film complètement barré de Alan Parker, celui qui a mis en scène Midnight Express, hein, qui est déjà vachement barré. Voilà, c'est un film avec Matthew Modine et Nicolas Cage sur des musiques de Peter Gabriel. Donc c'est Birdie. Voilà, Birdie, vraiment, vraiment complètement barré. Très, très content de le rentrer, celui-ci. Je crois que la musique a un rôle vraiment prépondérant dans le film. Et donc voilà, vraiment très cool, Birdie. Ensuite, petite VHS. Voilà, je ne l'avais pas. Donc Le Retour des Morts Vivants 2. Voilà, un culte. Très content. Donc,
pour eux, je crois, 20 centimes, je crois. Ensuite, un film de bestiole que je voulais depuis longtemps avec un gros, gros crocodile. Voilà, c'est par le réalisateur de Wolf Creek, donc Greg McLean, je crois. Et le titre original, c'est Rogue. Donc, ça n'est autre que Au Trouble. Voilà, je crois que l'autre titre, c'est Rogue, tu vois, comme ça. Donc voilà, vraiment, vraiment très cool, celui-ci de là-bas. Je sais qu'il est très, très bon, je l'avais déjà vu. Donc, plutôt cool. Ensuite, petite dédicace une nouvelle fois à toi l'ami Tom CineBD. Je sais que tu es très très friand de ça, pardon. Donc c'est un film Godzilla. Voilà, là c'est Godzilla vs King Ghidorah. Donc en édition double DVD. Voilà, ça se présente comme ça. Donc hop, le fourreau. Et le petit DVD. Donc. Voilà. Et donc on a les deux DVD, Godzilla vs King Ghidorah, et l'autre c'est Ebira Horror of the Deep. Donc voilà, Ebira Horror of the Deep. Trois ados volent un bateau et échouent sur l'île démoniaque de Lecce. Après avoir reçu une terrible tempête, les habitants vivent dans l'esclavagisme au profit d'une organisation terroriste nommée le Bambou Rouge. Des hommes venus du futur débarquent au Japon pour alerter le monde de la menace représentée par Godzilla. Voilà, plutôt cool. Je paye pour 50 centimes, vraiment une belle édition. Donc très très content. On verra ce que ça vaut. Je t'en ferai un petit retour. Hop, on va baisser un petit peu le son de play. Ensuite, pareil, celui-ci, plutôt récent, je crois qu'il est de 2013, 2014 de mémoire. Ouais, 2014. Un Home Invasion apparemment, ou... que j'ai cru comprendre. Voilà, c'est Sweet Home, film espagnol en plus. Alors chaque année il y a plus de 90 000 expulsions en Espagne. 85% sont réalisés pacifiquement, 13% par la force, 2% en utilisant d'autres méthodes. Oh, ça a l'air bien barré. Alors, je suis désolé, par contre aujourd'hui on voit vraiment pas bien. Hop, le DVD avec la sérigraphie un peu différente. Va te faire enculer. Et on termine, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, avec deux DVD. Le premier que je vais vous présenter, je suis vraiment content, parce qu'il y a quelques temps, j'avais trouvé les trois ninjas contre-attaque et Monsieur Nounou en VHS. Et je vous avais dit qu'il y avait un film 3 ninjas qui avait pour méchant dedans Hulk Hogan. Très très rare à trouver, qui coûte vraiment cher en plus sur Internet. Et ben, je me le suis trouvé là pour 50 centimes ce matin, donc vraiment très très content. C'est les trois ninjas se déchaînent en plus, ça se passe au cœur d'un parc d'attractions, d'une fête foraine. Et voilà, vraiment content. Hein, je suis plutôt en veine en ce moment, après le Jumanji ce DVD. Et le dernier, pareil, chopé, c'est celui-ci pour 1€. Petite dédicace à toi la mitambi, hein, parce que j'ai Jessica Biel. Donc c'est Massacre à la tronçonneuse, le remake d'après une histoire vraie. Bon, je l'avais en édition simple. Là, j'hésitais à le prendre, mais bon, vu l'édition, je me suis dit que j'allais la prendre quand même. Vous savez, c'est la fameuse édition qui en dépliant, bah ça fait une tronçonneuse en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis payé pour 1€ cette édition, vraiment content. Et en plus, dedans il y a le petit la petite enveloppe avec les photos justement, les petites evidences, hein, les petites preuves. Donc voilà, là pour le coup il est complet et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça fait plaisir. Cette édition chopée pour 1€, une belle petite édition collector qui va trôner en lieu et place avec les autres massacres à la tronçonneuse. Et ben voilà les amis, c'est tout pour ce sabbat pour le chat. Voilà, c'était le compte rendu du samedi. Il y en aura peut-être un demain, Inch'Allah. Et quant à nous, on se retrouve sûrement dans la journée pour d'autres vidéos. On verra encore ce sera quoi. Sûrement un nouveau top, j'ai des petites idées. Donc voilà les amis, joyeux anniversaire à tous, ciao ciao.